Bonjour à tous, me revoilà au milieu des bois. Alors c'est pas le même bois que la dernière fois, là j'avais dit que le bois qui était près de la rivière là, je vais retourner un de ces jours, mais là c'est pas celui-là, c'est un autre bois qui est dans un domaine privé, donc pas de souci. J'ai l'autorisation et j'ai une paix royale ici. J'ai trouvé déjà des trucs dans ce bois. Un peu de trucs de chasseurs, alors bien sûr des cartouches, des choses comme ça, même s'il n'y a plus de chasseurs aujourd'hui ici. Quelques monnaies, monnaies du XXe siècle, et puis des trucs plus anciens mais très abîmés. Donc voilà, des monnaies complètement lisses. Alors on va voir. Cette partie du bois, je l'ai un peu faite, mais pas trop. Je sais qu'il y a plusieurs chemins qui partent, ça descend en pente jusqu'en bas. D'un petit coteau là, donc je vais suivre le chemin et puis on va voir. Je sais que je suis passé par un des côtés où j'avais fait un trou, il y avait un truc mais j'ai pas pu le sortir, donc ça devait être une grosse masse féroce, je sais pas ce que c'était, peut-être que je vais y retourner, j'espère que c'est pas un obus. Et puis après il y a d'autres chemins qui partent sur les côtés, donc je vais un peu visiter le coin, mais là ici il y a une superficie, c'est immense quoi. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser pendant longtemps. Allez, je rallumerai si je trouve quelque chose, donc j'espère que je rallumerai. A plus. Bon, je suis descendu par ce chemin là, je sais pas si ça se voit, mais enfin ça fait une pente. Voilà, là on est bien dans la forêt. Donc ici ça sonnait, donc j'ai pu tester mon nouvel ami là, ça va, ça marche, pas de souci. Je me suis demandé quand même s'il y avait quelque chose, parce que ça sonnait un peu bizarrement. Et puis en fait, alors là on entend le Deus, je sais pas si on entend là, qui crachote, parce que le souci avec ce truc là, ça me le faisait pas avec le Garrett, mais dès que je l'allume ça fait crachoter le Deus. Et le Deus il est quand même loin. Il est posé là-bas. Donc quand les deux sont à côté, c'est assez infernal. Donc bon, par contre voilà, ça c'est pas mal. Il sonne vraiment au bon endroit. Par contre, il est en maxi. Hein. Il est en maxi. Donc c'est une monnaie, je pense. Je pense que c'est une monnaie. Je vais peut-être pas la frotter celle-là quand même. C'était assez profond. J'ai trouvé des monnaies assez vieilles dans le coin. Le problème, c'est qu'elles sont très abîmées, quoi. Donc là, j'ai bien peur. Ouais, c'est un peu irrégulier comme forme. Ça doit être, je sais pas, un double tournoi ou un truc comme ça. Peut-être. On va voir. La forme irrégulière, j'essaierai de la nettoyer. Puis, on verra ce que c'est. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a des choses quand même. Parce que là, je suis vraiment... je vais tourner un petit peu par là. Dans le coin, mais je suis vraiment au milieu de nulle part. Hein. Bon, allez, zou, c'est reparti. Bon, c'est toujours bien d'insister, parce que mon trou là, le premier trou, il est ici, je l'ai pas encore rebouché, parce que je continue à tourner autour. Et juste à côté, un deuxième trou. C'était pas très profond, ça a sonné assez fort. Donc c'en est une autre. Et on voit qu'elles sont bien bouffées, par contre. Il y a peut-être quelques restes là-dessus. Voilà. Petite monnaie. On voit pas grand-chose quand même. Hein. Peut-être un peu après nettoyage. Ça, il n'y a pas de doute, c'est une monnaie. Alors, est-ce qu'il va me faire une petite mise au point dessus? Voilà, on voit, il reste des petits quelque chose, mais pas grand chose. Hein. J'essaierai de voir en nettoyant, en faisant très attention. Bon, si on a deux, il y en a peut-être trois, donc je vais continuer. Je vais continuer. Le seul problème, c'est que je trouve que des petits formats comme ça qui s'abîment très vite quoi dans la terre. Donc voilà, on voit que pour identifier ça, je ne m'y connais pas trop en plus.
Mais bon, deux petites monnaies en plein milieu des bois, c'est sympa. Allez, on continue. Bon, c'est au pied de ce petit arbre là que j'ai trouvé les deux monnaies. J'ai fait 3 mètres à peine et donc j'ai bien cherché dans le coin et il y en a une autre ici. Donc du même genre. Peut-être un peu plus lourde, un peu plus épaisse. Alors. C'est un peu plus lourd. Je vais peut-être pas trop la frotter, je ferai ça comme il faut. Peut-être il va rester quelques petits trucs sur celle-là, mais c'est pas sûr. Non, on voit rien là. Elle a une petite patine verte qui va se barrer, ça c'est sûr, assez rapidement. Si je frotte. Allez, troisième monnaie, c'est bien. C'est bien. Donc je vais continuer parce que s'il en a perdu 3, il en a peut-être perdu 4 ou 5. On ne sait pas. J'aimerais bien qu'il ait perdu autre chose que des petits trucs comme ça. Mais bon, déjà c'est sympa de trouver des choses. Un peu au milieu de nulle part quand même. J'avais déjà trouvé des monnaies dans ce bois. Pas au même endroit, un peu plus loin. Donc visiblement, à un moment ici, ça a été pas mal fréquenté. Il y avait des chariots qui passaient, alors peut-être pas ici les chariots quand même, parce que là la pente est rude, mais il y a un autre chemin en haut qui est beaucoup plus doux au niveau de la pente, donc je pense que c'est par là que les chariots devaient passer. Il faudrait que je le fasse ce chemin là aussi. Et là bon, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, pour le coup je suis bien sur les bords de chemin. Bon là, celle-ci elle avait dégringolé au milieu, mais sinon là on est bien au bord du chemin. Donc ça a pu, là c'est en pente, hein. Donc il est fort possible que ça ait continué à dégringoler, que je trouve d'autres pièces sur la route. Donc je vais continuer. On va creuser en direct. J'aime bien creuser en direct parce qu'en général, soit il n'y a rien, soit j'y arrive pas. Donc ça va être rigolo. Donc là, je pense que c'est une cartouche. Hein. Donc on voit, ça sonne bien quand même. Mais on a un... Je sais pas si ça se voit. Ouais. 82, 83. Ça peut être des monnaies, mais je parierais plus pour une cartouche. On va voir ça. On va poser ça sur le côté. Hop. Et puis on va essayer de creuser. Là, en plus, gagné, il y a une racine ici, super. Donc je sens que ça va être copieux. On peut l'avoir par là, ici par là. Je suis pile sur une racine, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, c'est pas très profond. C'est aussi pour ça que je pense que c'est une cartouche. Alors, on va sortir le pointeur. Ce qui devrait faire chanter le Deus. On va voir tout de suite la différence. Donc là, il fait un peu de bruit parce qu'il doit y avoir du métal pas loin. Ou alors, c'est la clôture. On allume. Voilà, on entend que ça fait clic clic clic. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais. Bon. Il va quand même falloir que je remette un coup. Ah. C'est là-dessous, pile sous la racine. Alors, on va prendre le couteau. Éteindre parce que c'est un peu saoulant quand même. Ça, j'avais pas prévu cette histoire là.
que les deux là ils me feraient un duo comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je décale la fréquence du Deus aussi. Il y a la possibilité de faire ça. Alors, on en est où là? Ok. Bois de racine, tout ça pour une cartouche, ça fout les boules. Mais bon, j'ai dit que j'allais jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. Bouger la cartouche, est-ce que c'est ça? Non. Donc c'est par là. Toujours là. Ouais, dans les bois aussi, la dernière fois j'avais dit ce qui est embêtant c'est les moustiques et les cartouches, mais il y a les racines aussi. Hein. Les racines quand on tombe sur un. Ouais, c'est assez profond quand même. Hein. Par là, d'accord. Ouais, pile dans des racines, quoi. Alors. Ah, je l'ai. Non, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Un caillou, ça. Tout plat. Le problème, c'est que là, je suis obligé vraiment avec le couteau de passer autour des racines parce que. Voilà à quoi on passe son temps en fait. Hein. Quand je vais sortir la cartouche, ça va être rigolo. Hein. Alors. Alors. Ah, non, c'est sorti. Visiblement. Oui, ça y est. Ouais, c'est pas une cartouche. C'est pas une cartouche, c'est une monnaie. Oh que c'est petit ça. C'est tout petit ça, c'est pareil. C'est assez épais quand même. Oh, il y a des, trucs vieux dans ce truc. Je vais la nettoyer. Mais celle-là, elle me plaît bien. Elle est assez épaisse. Elle est assez épaisse. Il y a peut-être des restes, c'est pas sûr, mais il y a pas mal de trucs quand même dans ce coin. Bon, j'ai pas creusé pour rien, c'est déjà pas mal. On va ranger ça. Bah, tant mieux, je préfère que ça se termine comme ça. On va quand même vérifier que
n'y a que ça. Ok. Ouais, il n'y a que ça. Bon, allez, mais je vais faire le tour encore là. Il y en a peut-être d'autres. On continue. Bon, j'arrive de là, là. J'ai descendu ce petit chemin. En fait, hop, ça tourne ici, et hop, il y a un autre petit chemin qui repart vers là. Et c'est dans ce chemin-là qu'il y a un gros ferreux qui a sonné une fois où j'étais venu. Enfin, je dis un ferreux parce que je pense que c'est gros. Donc un ferreux, il sonne pas comme un ferreux, mais comme c'est profond, que ça sonne fort, je pense que c'est un gros ferreux. Mais je vais quand même aller... Maintenant que j'ai ma pelle, j'avais pas ma pelle la dernière fois, donc je vais aller le déterrisser là-bas, là, au niveau de l'herbe, sous cet arbre. Donc ben voilà, je vais déterrer ça. Si vous entendez un gros boom, ben vous prenez les pompiers, quoi. Ça voudra dire que j'ai fait une bêtise. Voilà. Et puis on voit que après il y a encore tout un passage là-haut. Peut-être aller faire un petit tour là en haut, la petite butte, et puis je finirai par là-bas, de l'autre côté du chemin. Et puis à un moment il faudra aussi rentrer parce que voilà. Allez, bon. On va aller faire un trou là-bas. Bon, ça n'a pas pété. Tant mieux. Hein. C'est profond, hein, ce truc. Alors, c'était quoi? Je m'en doute un peu. Hein. C'est un outil. C'est un reste d'outil. Ou... J'hésite parce que... Ouais, si, ça doit être un reste d'outil. Ou un fer à bœuf, je sais pas. Mais je crois pas, je crois que c'est un reste d'outils, je sais pas trop pourquoi faire. De quand ça date, ça, bonne question. Faudrait le nettoyer déjà un petit peu. Bon, enfin voilà, ça pèse son poids. Alors c'est du fer, hein, puisque ça a rouillé. Il n'y a pas que du fer, je pense. Bon, voilà. C'est assez lourd, le trou est assez grand, mais c'est bon, ça m'a pas pété. Bon, mais je m'en doutais quand même, hein. Je m'amuse pas à creuser des trous si je vois que ça a l'air de ressembler à quelque chose qui pourrait être dangereux. Là j'avais vu que j'avais entreaperçu la forme, donc voilà. Je vais le nettoyer, je sais pas ce que c'est exactement. Ouais, ça peut faire penser à plusieurs choses. Alors on va continuer un petit peu parce que pas tout ça, mais j'aimerais bien trouver au moins une monnaie de plus avant de partir, ça serait cool. Je sais pas si je vais remonter ou je sais pas, on va voir, je vais faire comme ça me vient. Allez-y. Allez, ça va être la fin de la sortie. Bon, quelques petites trouvailles quand même aujourd'hui, il faut que je les nettoie pour voir un peu ce que ça donne. Il y a de l'eau en bas là, il y a un ruisseau. Je crois que je descends de voir aussi un moment. Alors le seul problème, c'est dès que je m'approche, là on voit qu'il y a un chemin aussi qui part par là-bas, enfin il y a encore de quoi faire quand même. Dès que je m'approche aux limites du domaine, là il y a par là, là et puis plus vers là-bas, il y a un fil électrifié. Et le Deus il aime pas du tout ça, il est très très sensible cet appareil. Donc dès qu'il y a des fils électrifiés ou des lignes haute tension, bah, il se met à chanter en permanence. Là déjà il fait un petit peu de bruit. Alors je pense pas que ça soit le fil parce qu'il est quand même là-bas tout en bas. Mais tout à l'heure il n'arrêtait pas parce qu'on n'était pas loin du fil électrique. Ça c'est un peu embêtant. Alors sinon j'avais dit que je fais un petit bilan de cet appareil là. Voilà, il remplit exactement son job. Il fait exactement ce qu'on lui demande, pas plus, pas moins. Assez précis, il n'y a pas de souci au niveau de la précision. Si j'arrivais un petit peu à faire le point, ça serait super. Donc au niveau de la précision, il n'y a aucun problème. Le seul problème, donc, c'est toujours pareil, ça vient plus du Deus, ça je pense. C'est dès qu'on l'allume, on va voir ça tout de suite. Voilà. Lui, il n'est pas content. Alors,
Il y a sûrement moyen de, je pense, comme je l'avais dit, de décaler la fréquence. Faudra que j'essaye pour voir si ça permet d'enlever ces interférences là. Bon, lui ça va, il reste. Il fait son job, il n'y a aucun souci, il n'est pas gêné trop par la présence de l'autre. Mais voilà, celui-ci il aime vraiment pas. Et je suis quand même là, ouais, quand même, hein. Si. Parce que je suis quand même assez loin, les deux ils se supportent pas. Donc on va voir, je vais m'éloigner un peu. Il continue à crachoter, là je suis quand même à 4 mètres au moins, 4-5 mètres. Voilà, donc là il a arrêté, il reprend son petit bruit normal. Donc voilà, si ce n'est ce problème un peu d'incompatibilité entre guillemets, hein, parce que c'est pas très gênant quand même entre les deux, il fait son travail, il n'y a aucun problème. Il m'a pas fait de faux signaux, il m'a pas fait de coups comme ça. Voilà, pour l'instant j'en suis satisfait, mais bon, c'est pas évidemment pas au bout d'une. Voilà, je l'éteins. C'est pas au bout d'une seule sortie que je vais vraiment pouvoir. Que je vais réellement pouvoir faire une évaluation de l'appareil, vu que le Garrett c'est au bout d'un an, hein, qu'il a commencé à déconner. Donc voilà, j'espère que celui-ci ne fera pas le même coup. Là ici je pars, je retourne à la voiture en détectant un peu, puisque je suis sur le bord, j'ai fait le chemin là, il y a un petit chemin en haut, là je suis sur l'entrée du bois, sachant qu'après il y a une pente, donc a priori s'il y a des objets, ils ont dû tomber en bas, donc il faudrait que je revienne, et c'est plus en bas au bord de ce chemin là que j'aurai des chances de trouver des choses. Mais bon, il y a des choses ici, hein. Ça a été à un moment, ça a été clairement habité, en tout cas il y a des gens qui y sont passés, donc ça c'est pas mal, parce qu'il suffit pas d'avoir un grand terrain et tout ça pour trouver des choses. Bien sûr il faut que ça ait été à un moment ou à un autre peuplé, voilà, plus ou moins, on va dire, par les hommes. Bien, allez, je m'arrête là, je vous dis à la prochaine, ciao.